Bonjour et bienvenue, on est de retour pour plus de Starfield. On va faire des missions. On va faire des missions. Donc on est sur Fermi. Fermi 7A. Donc qu'est-ce que je fais là? J'étais en train de, comment dire, cartographier, on va dire ça. Quelques planètes, donc j'en ai fait quand même pas mal, je suis déjà à 53%. C'est vraiment un système avec beaucoup de planètes et beaucoup de trucs et de lunes et tout ça, donc c'est un peu la galère. Mais j'avais envie de faire ça, un peu d'expérience et tout. Aussi par la même occasion. Donc du coup, en parlant d'expérience, j'ai un peu monté. Donc on est à 63. Enfin, j'ai pris quoi? Peut-être un ou deux niveaux. Donc on a fini la gastronomie. J'ai rien recherché. J'ai pas fait de recherche encore pour des nouveaux plats. Je pense que ça va être un peu chiant. Il faut que je trouve un moyen en fait de trouver de quoi on a besoin. Parce que pour vous montrer... il demande en fait des choses. Oui, il y a quelque chose d'invisible dans le tunnel, ok? C'est mon vaisseau, il est comme ça, ok? Réfléchissez pas, cherchez pas pourquoi, c'est mon vaisseau, il est spécial. Là. Boisson. Donc ouais, il faut que je trouve un moyen de faire le plein en fait de choses comme ça, genre alcool et tout. Je sais même pas pourquoi j'en ai en fait. Mais voilà, il faut que je fasse le tour un peu des villes ou je sais pas trop quoi. Genre les œufs, pareil. Comme ça on développe en fait des nouvelles cuisines. Donc ouais, il faudrait que je prenne un peu le temps de faire ça. Alors, j'ai aussi, donc vu que j'étais en train de cartographier, entre parenthèses, donc les lunes et les planètes et tout ça et ce qu'il y a, j'ai trouvé une monstruosité. Donc une monstruosité, j'en parle depuis longtemps, c'est ça. Donc voilà, c'est cette arme. Et je l'ai trouvée et elle a des bonnes stats. Je l'ai même modifiée, je ne lui ai pas donné un nom pour l'instant. Mais voilà. Donc le fusil à rayon à particules de Varun. Donc c'est un fusil, ça tire très vite, 25, hein, honnêtement, cadence de tir c'est pas mal, chargeur 20. Donc on a dos au mur. Alors je vais être honnête, j'ai l'impression que je suis abonné à dos au mur. J'ai trois armes dernièrement que j'ai trouvées, que j'utilise. Et il y a toujours dos au mur dessus. Il y a infirmité aussi. Après il y a frénésie, on s'en fout un peu. Mais c'est pour vous montrer. On est à 103 physique et quasiment 400 énergétique. Et ouais. Voilà. Donc j'ai combattu des niveaux 70, 90 et tout ça. Bon, les 70, on va dire, allez, en 3 tirs, on les tue. Les 90, il faut un peu plus de tirs, mais il y a des grosses parties, en fait, de vie, en fait, qui partent. On fait du 800 de dégâts, des trucs comme ça, donc ouais. Donc, ouais, j'en ai un comme ça. Je pense qu'encore une fois, il partira sur un compagnon, ce que je pense pas l'utiliser souvent. On va l'utiliser un peu évidemment pour un peu montrer, mais voilà, c'est honnêtement pas super fun. Ça fait juste trop mal en fait pour ce que c'est. Et j'ai voulu lui laisser le viseur comme ça, donc ça c'est cool. Mais voilà, peut-être qu'on le donnera à Adrian à un moment. Mais ouais, je suis tombé sur ça. Honnêtement, j'aurais bien voulu autre chose. Hein. J'aurais voulu un fusil à pompe, encore une fois, ou quelque chose de fun, mais ouais, je suis tombé sur ça. Il y a beaucoup de créatures qui volent ici. Je crois qu'il y en a trois types, en tout. Il y a trois types de créatures qui volent. C'est assez intéressant. Et je crois qu'il n'y a rien d'autre. Sinon, donc oui, j'ai un peu combattu, donc mon vaisseau il a pris un peu des dégâts. Encore une fois, je tombais sur ce désastrien niveau 70, donc c'était un peu chaud des fois. Alors, j'avais dit que la dernière fois on voulait faire un peu d'activité. Je vais être honnête, j'ai un peu envie d'avancer dans unité aussi. Donc, j'ai bien envie de faire ça moi. Alors, parler au cercle des lumières, parler au prisonnier Varum, et après trouver le dard du scorpion sur Ila 2. Alors, je crois bien que Ila 2, on y était déjà allé, mais après, j'ai arrêté parce qu'on devait faire autre chose.
Donc on peut peut-être aller faire, ouais, aller faire un peu de discussion avec les gens de la lumière et de Varune et tout ça. Je dirais pas non. Je dirais pas non. Voilà, on avance un peu dans l'histoire parce que voilà quoi. Pas trop, parce que j'ai pas envie de faire du NG+ et me retrouver bloqué ou des trucs comme ça. Mais ouais. Après, je sais, j'avais dit qu'on ferait des activités. On va en faire. Je pense que ça sera la suite, mais je me suis dit, tiens, ça fait un peu. Ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas fait de mission principale, donc autant aller dedans un peu là. I used to love New Atlantis. Not so much these days. Et pourquoi? Sinon notre poids. Ah oui, faut que je vende un peu des trucs. Tant mieux qu'on soit là. On va voir si je peux vendre. Attendez, on va changer la tenue. J'ai vu un mod qui modifiait les armures de Vigile là, comme ce qu'elle a là par exemple, et qui les transformait en armure en fait pour le 6 def. Genre il y avait écrit 6 def et tout dessus de l'UC. Mais le problème c'est que tout le monde, en fait toutes les personnes qui vont porter ce genre d'armure du coup vont avoir des 6 def parce que c'est un remplacement de texture, c'est pas un nouvel objet en fait. Donc du coup c'est pas vraiment très très intéressant, mais ouais. Donc je vais pas le mettre. Je me rappelle plus de ce que je dois prendre du 6-5, je crois. Ça, c'est les grenades. Ça, c'est le pacificateur, ok. 15 000, le truc. 15 000. C'est pas abusé du tout, c'est bien. J'ai encore tout ça à vendre. Hein. J'ai encore tout ça. Je pourrais techniquement tout prendre, quoi. On va prendre celle du le plus bas en fait. Vendre, on est à quoi? 2800? On va vendre les petits là, comme ça me fera beaucoup plus de place. J'ai peur de vendre. Attendez, on va faire comme ça. Okay. Avec le clavier, c'est mieux parce que j'ai peur de vendre. L'arme de Heller. Ok, zéro, c'est bon. Voilà. On a fait un peu de place et on a des munitions. Ah, vous avez vu le nombre de d'argent qu'on a juste en armes? C'est juste fou, quoi. Bon, allons faire la mission. Attendez. Attends, ça c'est le cercle des lumières. Donc nous, on nous a envoyé là pourquoi? Là, voilà, ok. Donc ouais. Masse d'argent en armes. Masse d'argent en armes. C'est sûrement le moyen, le. Oh mon Dieu. Ouais, de couper comme ça a dû faire apparaître tous les trucs en même temps. Désolé pour les mauvais FPS. Cotisez-vous que j'achète un nouveau PC. Bref, dans tous les cas, je pense que c'est. C'est quoi ça? Non. Je pense que c'est le moyen. Le plus rentable, même Fallout 4 en fait. Enfin, il n'y a pas vraiment trop besoin d'argent dans Fallout 4 maintenant que j'y pense. Je crois pas. Acheter peut-être des munitions, parce que Fallout 4 c'était un peu la galère pour les munitions.
Mais là, il y en a plein. Là, il y a plein de munitions, il y a plein d'armes. Yeah, I set this aside for you a while ago. Merci. Donc ouais, c'est juste un peu bête, comme j'ai dit. Hein. Trop d'argent, l'argent sert presque plus à rien, à part créer des vaisseaux. En fait, ce qui coûte le plus cher dans le jeu, c'est créer des vaisseaux. C'est ça. C'est vraiment ça, en fait. C'est créer des vaisseaux. Si vous voulez un truc cher... Mais on doit aller où exactement, celui-là ouais. Si on veut un truc cher pour un vaisseau, genre un classe C, qui est très haut niveau et tout ça, avec les derniers trucs, ça vaut dans les 700K, je dirais. Ça dépend de la taille du machin. We run a number of social programs, from financial aid to food banks. If it's about the financial or food assistance programs, we are backlogged. Don't worry, we're doing everything we can. Oh, you're not. Sorry. Can I help you? Tu as une super moustache. Alors, le prévôt Aquilus. Alors, si vous vous rappelez pas, on avait parlé au prévôt qui s'occupe de Varune et tout ça. Il nous avait expliqué que... Je sais plus. Non, je me rappelle un peu. C'est que eux, ils savaient qu'ils avaient... ils ont un peu une connaissance, en fait, par rapport aux Astriens et tout ça. En tout cas, ils nous ont laissé penser ça. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec eux. Alors, le prévôt... Je dois discuter du pèlerin. Je cherche quelque chose nommé unité. Et non pas seulement un vague concept du mot. Did Keeper Quillis send you? Ouais. Oh boy. Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a Unity Pilgrim. But since you both insist, our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling notes, charity expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilis is describing. Écoutons ça. A man walks into the first house of enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of two what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person this, the problem of do that. Ok. Il y a peut-être un message caché dans ce qu'il disait. Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. Ouais. Always happy to help. If you'll excuse me, I've got a lot of... On n'a rien appris, à part le vagabond, là, le Drifter. Ouais, c'est pas super... Alors, parler au président, non, le prisonnier. C'est au port spatial le prisonnier, parce que je crois que là là la quête elle m'envoie ailleurs. Parce que honnêtement, je voudrais bien en apprendre un peu plus, hein. Donc c'est pour ça que j'ai eu une envie de connaissance, voilà. Je me suis réveillé, j'ai eu une envie de connaissance. Donc je me suis dit, allez, on va un peu avancer dans l'histoire. Alors, donc on a prisonnier ou alors... Ouais, alors on va faire le prisonnier. Alors, bonjour, je dois parler à un prisonnier. Qu'est-ce que vous faites exactement? How's the investigation going? Still have questions? Go ahead and ask. Non. See you later.
Mais je... Security staff only. Ouais, mais... Il y a un truc aussi, je trouve qu'on peut se balader un peu n'importe où sans... Ok. Je peux me balader un peu n'importe où sans vraiment... sans accro, rien. Après, dans un sens, je fais partie de l'UC. Private sector. Now that's where the real money's at. Ouais. Alors, t'es qui, toi? Comment on te parle? Mirza. A visitor? I have all the company I need. Je sais que vous avez parlé au prévôt à propos de la foi Varune. La phrase la plus déprimante que j'ai jamais entendue. La foi Varune. He knows not the truth. He sends another to ask more incessant questions. The great serpent waits in the shadows. He will entwine the universe, and all but the faithful will be made as dust. That is the truth. No more, wow. No less. Ok, c'est bien. On va passer un bon moment avec elle, je sens. Ouh là là. Alors, à parler d'un pèlerin, j'ai besoin de plus sur lui. Serpent cosmique semble être une piètre réponse au problème de l'univers. J'admire votre conviction. Non, on veut parler du mec, là. Yes, I have spoken to your keeper about this. I will tell you what I told him, and then you will leave me. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the great serpent, he does not hesitate. He cuts the unbeliever down. But the unbeliever returns. Jinan realizes the great serpent is testing him, and he will not be found wanting. 4 times they fight, over 120 rotations of the planet they are on. Remember these 4 battles, Jinan, the unbeliever says. Remember these 120 rotations. But Jinan knows this is blasphemy, and delivers the killing blow. That is all. Waouh, tu sais vraiment pas raconter les histoires, toi. J'ai besoin de connaître la signification du mot unité. I have heard of no such thing. If it exists, it is a shadow that the great serpent casts to deceive the faithless. Je crois que je comprends. Then we are done. J'ai rien compris. Bon, il y a son... il y a le mec, en fait, qui... Il se prend. Ok, merci. Donc, ouais, apparemment, il y a Jinan, là, il se fait monter la tête. Mais il est super croyant, il est super fou aussi. Donc il tuerait pour la religion, c'est bien. Bon, il va falloir qu'on se remette un peu dans l'histoire parce que j'ai l'impression d'avoir raté des numéros quand même. Hein. Là, j'ai l'impression de plus me rappeler de grand chose. Donc... tout ça pour en apprendre plus sur les Astriens. Escape trajectory plotted. Les Astriens avec leur vaisseau tout nul. Apogee kick complete. Orbit steady. Qu'est-ce qu'on fait? On vend des trucs? Non. Alors, du coup, mission. Ah putain. Retournez voir le prévôt. Oups.
J'avais pas vu, pardon. Je n'avais point vu. Alors, retournez voir le prévôt. Lui, je m'en rappelle par contre, qu'on lui avait parlé et tout ça. Ah, regarde, qu'est-ce que c'est loin. C'est méga loin quand même. Je serais déjà tellement essoufflé. Ouh, ça y est, on est au sanctum. Alors, il est ouf, il est là, toujours là. Bonjour. Tu peux t'asseoir, Adrian. Ou tu peux attendre, ok, ça marche. Well, you're back. What did you learn? Was there something hidden in their stories, like we thought? Honnêtement, j'ai rien compris. Alors, il y avait les mots deuxième et deux dans l'histoire des Lumières. J'ai parlé aux Zélotes de Varun. Elle a dit que Jinan avait combattu quatre fois pendant plus de 120 jours. Dans votre histoire de pèlerin, contemple attendra un finis de vouloir dire quelque chose. On va parler de Jinan. If there really is a location the pilgrim wanted us to find. Those do sound awfully like coordinates. What else did you learn? Des coordonnées. Des quoi? Des coordonnées. Des coordonnées. Des coordonnées. Des coordonnées. Il y avait le mot deuxième et deux dans l'histoire des Lumières. Hmm. Planets are often named by number. That second might mean the second planet in the system. Was there anything else? Ouais, bonne chance pour trouver le reste. Alors, le pèlerin contemple l'Adanda infini. Yes. What he added to infinity. Maybe that points to a name. If we're looking for his resting place, we'd need to know the name of the star system. Sandek. Let's see. We have something that could be coordinates. Something that could point to a planet in the system. But what's the name of the system? Infinitum Addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That just leaves in and dumb. Well, that's certainly how I feel. Inda. Je nommerai la prochaine planète que je trouve Dada. Qu'en pensez-vous? Well, I suppose that'll make someone laugh. Pourquoi? Tu as pas trouvé drôle, toi? Inda, c'est le nom du système yes, solaire. That's it. The second planet in Indum. At 4 and 120. That's where you'll find the pilgrim's resting place. And from there, maybe you'll find the true meaning of unity. Before you go, you've now spoken to many different perspectives in our universe. In a way, you'll be carrying their philosophies with you on this journey. I know you're looking for a specific unity, but if you had to guess what it was, what interpretation would you give it? Ouh, la question. Il y a quelque chose de sacré dans cet univers. Qui rassemble tout le monde. Ce n'est qu'un mot. Et c'est en observant et en cherchant que je la trouverai, pas en priant. J'aime bien, mais... Genre, la fin, le mec, il est croyant et tout ça. Il est sympa, il nous aide. Donc, lui dire ça, lui mettre ça dans la tête, bof. Seule une conviction absolue nous mènera à la vérité. Ceci est un test. Oh.
Alors, on va dire que ce n'est qu'un mot parce que c'est ce que je dirais, mais le reste de la phrase, j'aime pas trop. And once you know, what will you do? Even the most objective scientist holds a belief that observation itself will be of benefit to humanity. You will be taking a similar part of yourself with you when you find the answer. Will that not color your perception of it? L'avantage de la science est qu'elle permet de tester les pensées d'une personne. Ça ne me donne pas le droit de définir l'unité à l'avance. Comment parler de l'inconnu est-il censé m'aider? L'avantage de la science est qu'elle permet de tester les pensées d'une personne. Je vais dire que cela ne me donne pas le droit de définir l'unité à l'avance. So you're committed to keeping yourself from seeing unity as anything other than a rational objective. A goal you're bound to reach. Non, c'est pas... Well, I won't keep you any longer. This has been fun. I have to admit. Go, find your truth. Je suis pas très content des phrases, honnêtement. Des réponses et de la direction de la conversation. Bonjour. Some folks never feel it. It's something, isn't it? The further out we reach into the stars, the more we learn about ourselves. Ouais. T'as un super prénom, toi. Ah, c'est ici qu'il prie au cœur de l'astroportation. Ok. Ok. Alors, j'ai envie de demander maintenant, de poser ma question, c'est est-ce qu'on a trouvé... Non, nous on est allé sur Ila 2. Ok, j'ai rien dit alors. J'allais dire, est-ce qu'on est tombé par hasard, en fait, à l'endroit où il fallait aller? Mais non. Alors... On était déjà allé ici. Ça marche. On va faire ça. Comme ça, on fait un peu de voyage. Et les mecs, vous pouvez réparer le vaisseau ou pas? Genre ASM et tout ça, là, c'est pas au max. Hein. Bon, après, c'est pas vraiment intéressant. Ok, moteur, c'est bon. ASM, c'est en train. Aïe, 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 aïe. Alors... J'attends qu'ils finissent de réparer. Bah honnêtement, on a le temps. Enfin, on en a pas vraiment besoin. On va pas attendre 3 heures non plus. Bon, let's go. Alors... On était déjà allé là-bas, au repos du pèlerin. Ça c'est joli ça, cet arc là. Ou alors cette porte. Stargate, là. Jamais vu, ça. Des choses comme ça. Je voudrais bien trouver des structures un peu plus spéciales, de temps en temps. Alors. Ah, mais c'est là... Ah... Je suis venu complètement par hasard ici. Alors, je sais pas si je l'ai montré en vidéo, je me rappelle plus. Parce que... Non, attendez. On est vraiment... J'ai des indices sur l'unité. Parce qu'en fait, alors cet endroit-là, si je me rappelle bien, c'est l'endroit où j'ai trouvé des livres. Et ça m'avait un peu intrigué sur le coup. Tiens, il faut que ça que je le balance. Alors... Je les ai gardés sur moi, je crois. Ouh, c'est joli, ça. Donc, c'est ça. Les écrits du pèlerin. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il y a plusieurs écrits, en fait. Je les ai tous lus, hein, ça... Enfin, voilà, quoi. C'est des histoires. Ça explique pas vraiment quoi que ce soit. Ça explique l'unité et tout ça. Donc, ça, c'est toujours très abstrait. Restaurer une fois de plus, cette fois jadis seul pour l'instant. Et après, je me surprends, je ne sais pas ce que signifie cette différence, mais je suis reconnaissant du temps que j'ai pris pour la remarquer, etc.
Donc ouais, c'est des livres que j'avais retrouvés ici. Et normalement, il y a une porte où il faut... Ah, bah maintenant, je devrais avoir la réponse. Je pense. Parce qu'il y a un ordinateur, en fait, qui me demande quelle est la réponse. Et je savais pas... Non, quelle est la question? Quelle est la question? Et je savais pas ce que c'était la question. Du coup, maintenant, je le sais. Des vraies chambres personnelles. Alors, qu'est-ce que l'unité? Voilà. Alors, je réponds à votre question par une question. Si vous avez lu mes écrits, quel est le fardeau de l'humanité? Je m'en rappelle plus. Attendez, on va sauvegarder si jamais ça fait des trucs. Ça fait longtemps que j'ai lu ces livres. Alors, on va essayer de faire ça pas de mémoire. Alors. Le fardeau de l'humanité. Le fait qu'on passe notre temps à se battre entre nous, les autres sont une nécessité, mais ils sont aliénants. Le surpoids, il faut vraiment que les gens se mettent au régime. Les autres sont une nécessité. Qui est votre plus redoutable adversaire de chasseur? C'est certes une réponse, mais ce n'est pas la mienne. Trouvez mes écrits, lisez-les attentivement. Oh putain, t'es sérieux? J'avais bon du coup. Moi-même. Ok. Vous trouvez la satisfaction durable, l'évolution, le fait de devenir le meilleur plus fort, une bonne boisson fraîche par une journée chaude, prendre le temps, embrasser la compassion, l'évolution. Non, c'est ok, donc c'est le troisième. Bon, c'est un peu plus facile que ce que je pensais. Ouais, c'est un peu plus facile que je pensais. Vous êtes ici car vous cherchez la véritable signification de l'unité. Si vous souhaitez toujours la découvrir, vous trouverez un ultime fragment de moi dans la pièce suivante. J'ai trouvé ma propre réponse il y a bien longtemps, mais pas sous la forme attendue. Puisse vos pas vous conduire à la vérité. Merci. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Je le saurai peut-être jamais. Cela dit, je suis de plus en plus à l'aise avec le fait de ne pas le savoir. Plus je réfléchis au fait d'être ici, dans ce monde, à cette époque, plus je pense que c'est précisément là que je dois être. Cette fois-ci, il se sera différent. Il ne s'agira pas de moi, donc je n'aurai pas à fuir. Je peux construire quelque chose de mon propre chef, au lieu de m'acharner à réparer ce que d'autres ont créé en mon nom. Je peux créer quelque chose de bénéfique. Je peux devenir quelque chose de bénéfique. Je laisse mon ancien moi derrière moi. Le monde n'a pas de place pour lui, laissez-le mourir et laissez-moi vivre pour éclairer l'univers béni qui m'entoure. Vous avez trouvé la fin de mon voyage, mais pour tout comprendre, il faut en trouver le début. Sur Ila 2, l'île cache le scorpion et la piqûre du scorpion cache la vérité. Ça ne met pas des masses. Il faut trouver la piqûre du scorpion. Le dard. Ah! Augmente de façon permanente les dégâts des armes balistiques de 5%. C'est beaucoup 5%. Et voilà. Cet endroit est sympa, il y a des bruits un peu étranges et tout. J'ai trouvé ça bizarre la première fois que j'étais venu. Puis il y a des pierres entassées là, je sais plus si ça a un nom de faire ça. Allez, on y va. Joli notre vaisseau. Notre gros vaisseau. On dirait Tatooine. Ça, j'en sais rien. Ça ressemble à ça, Tatooine, ou pas? Je sais pas, c'est du désert.
Il y a mes canons auto, je les trouve un peu faiblards. Mais je crois que ils ont tendance à pas vraiment être précis en fait. J'ai l'impression. Ils sont pas extrêmement précis comme, comme mes canons que je tire, que j'utilise. J'ai remarqué. Lifting off now. Après ça aide parce que ça fait un peu des dégâts, ça fait des petits dégâts, mais surtout c'est que ça, ça fait des dégâts continus par rapport à moi qui dois recharger. Et on a des Astriens devant. Et du coup, ils reprennent pas leur bouclier en fait. Ça c'est bien. Allez les Astriens, montrez-vous, j'ai pas envie de changer les points en moteur et tout ça, donc on avance. On avance lentement. Ok. C'est parti. Un peu les canons. Ah, vous voyez un peu les... Ils ratent un peu quand même. Caisse de livraison qui traîne. Non, on s'en fout un peu. Non, par là. Les ruines anciennes. Alors, je crois que c'était des ruines où on s'était déjà posé, je crois. On va voir un peu ça. Ça va, ça se passe bien, je suis content, tranquille. Ah! Oui, on s'était déjà posé, oui. Oui, oui. On n'avait pas vraiment les informations, on va dire, mais à l'époque, mais ouais, on s'était déjà posé. On va faire une vraie sauvegarde, juste au cas où. Très bien. Alors. Ah oui, j'avais... Je sais pas exactement ce qu'il faut faire.
Est-ce que ça dit quelque chose? Trouver le dard du scorpion sur Ila 2. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Je sais pas, j'essaye de suivre l'histoire. De suivre les constellations, ça marche pas. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Ah là là! Astrien à la con. Si jamais je mets 3 plombes, hein, je testerai autre chose. Je regarde si j'ai pas... Il nous faudrait peut-être Sarah avec nous. Peut-être qu'elle pourrait nous aider. Trouver le dard du scorpion. Ouais, mais... Non. Voilà. Ou alors, est-ce qu'on voit quelque chose à travers ça? Machin, tu veux te... Merci. Ok. Voilà, ok. Ok. Hey Captain. Talk to you soon. En fait, on est en train de vérifier toutes les constellations. Attends, je suis où là? Je sais pas si ça m'aide des masses. Rendez-vous à la dernière étoile du scorpion. Ah, du coup, ça c'est le scorpion et là on doit aller là. Ok, 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 j'ai compris maintenant, j'ai compris. Mais c'est cool du coup la dernière étoile du scorpion. Moi je connais pas le. Il y a un système qui s'appelle Scorpion. Oborum Prime. Ah, ok. D'accord, donc c'était là quoi. Mais comment tu en déduis que c'est Oborum Prime? Ça par contre, je voudrais bien comprendre. Quoi ce bruit? Il y aura un truc extrêmement lourd qui marche. Moi, je voudrais bien un peu qu'on m'explique comment on en déduit que c'est Oborum Prime. Parce qu'à la limite, si tu me dis qu'il y avait un système qui s'appelle Scorpion, Scorpio, un truc comme ça, à l'anglaise. Ok, mais... je sais pas. C'est étrange. J'ai pas trouvé ça super super intuitif. Parce que pour résumer en fait c'est... Voilà. En gros pour résumer on est... On avait une constellation qui était gravée au sol et nous on a mis une lumière. On a passé une lumière dessus.
ça a illuminé. Illuminer une planète, quoi, en fait. Du système. Ah, parce que mes trucs mettent du temps à recharger. Ah tiens, j'étais pas au max. J'avais un point enlevé. C'est parti. En fait, pour compenser là, le fait que j'ai des blancs comme ça, où je peux plus tirer, il faudrait mettre des missiles. Techniquement, il faudrait que je mette des missiles. Ou alors une autre arme. Parce que, en fait, mon autre arme pour le moment c'est. Ah, c'est le chasseur. Alors, le prévôt qui a décidé de m'envoyer chercher une véritable signification de l'unité. C'est l'heure du second round, visiblement. Rendez-vous, je vous détruirai. C'est une blague? J'ai bien envie de l'envoyer sur Pluton, mais je suis curieux. Oborum Prime. On va sauvegarder. Fais voir la gueule du système un peu. Voilà la tête que ça. Ok. Il n'y a rien de très très spécial. 840. Ah la vache. Ah, ils en donnent de l'expérience. Hein. Ils en donnent beaucoup. Donc comme j'ai dit, nous on voudrait... Parce que honnêtement, monter de niveau dans le jeu, ça... En fait, c'est que ça va vite. Je trouve que monter de niveau, ça va assez vite quand on fait les bonnes choses. Mais bon, il y a beaucoup de points à mettre, voilà. Donc il y a leadership qui est intéressant, comme j'avais dit. Surtout le dernier, en fait. C'est surtout le dernier qui m'intéresse. Mais donc moi, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse de là. Donc on va faire gestion des avant-postes, parce qu'il faut que j'en fasse ça. Genre des liaisons supplémentaires peuvent être passées dans les avant-postes, c'est super. Les robots, bon, moi un peu moins. Après, assigner davantage de personnes, c'est bien. Et après, les extracteurs d'avant-postes produisent deux fois plus vite. C'est quoi pour faire construisez des liaisons sur 6 planètes différentes. Ok, ça marche. Ça m'arrête. Ce qui est marrant, c'est que la technologie fonctionne. Moi, c'est ça qui me fait toujours marrer, parce que c'est clairement pas ce qu'on a en ce moment, les vaisseaux. Comment dire? La technologie, c'est pas la même, mais bon. Ça a l'air de fonctionner quand même. Bon, faites gaffe, j'ai un truc de varum, ça fait extrêmement mal, donc me faites pas chier. Hello. Again.
emissary, perhaps? And their ship, the Helix? I believe they ambushed you above Neon and demanded that artifact you worked so hard to gain. Ouais, on lui a pas donné. Thank you for the stellar introduction. Your success is unprecedented. Before you came, we were just discussing how continued use of force against you is unwise. Je ne fais pas dire, vous ne voulez que parler, vous avez attaqué. Dites-moi simplement qui vous êtes et qui sont les Astriens. We are not a monolithic people. The Starborn are individuals. Some are united in cause. Others are in it for themselves. Donc vous n'avez pas de patrie, rien? Some of us are just more honest. The emissary threatened your ship, demanded you hand over your artifact. How is that so different from what I did? We needed to warn you off. Every encounter with one of our kind could spell disaster. For whom, exactly? I say whoever can collect them should. Quoi? C'est bizarre, ils ont l'air de vouloir vraiment des choses différentes. Vous tuer et prendre vos artefacts sont sur ma liste. Good. Hold on to that determination. Because you're about to learn there's a higher prize at stake. The Unity. You are on the path to it. It is a place, a gateway. It is where we were reborn. So, I gotta say, this part is more awkward than I thought. Hiding my face was way easier. Je vais être honnête, je l'ai un peu senti venir. Ce truc-là. Alors après, est-ce que c'est vraiment Sam ou pas? J'en sais rien et tout ça. Mais j'en ai pas parlé. Mais dans ma tête, parce que vu que Sam, enfin Sam ou Sarah évidemment, meurt. J'ai remarqué qu'en fait il mourait assez vite, je trouvais, par rapport à l'histoire. J'étais un peu surpris de ça, et ça j'en avais déjà parlé. Donc, je sais pas. Je me suis dit dans ma tête, s'il faut, ils vont renaître et tout ça. Puis après il y a aussi le système du NG+ que je sais plus ou moins comment il fonctionne. Après je sais pas vraiment l'histoire, mais je sais un peu comment il fonctionne. Donc je me dis, est-ce que Sam il pourrait pas genre revenir et tout ça grâce à ça. Gardez le silence. I'm not who you think I am. This universe is only the first one you've been to. I've seen hundreds. Where I came from. I was the one who ran to the eye. I left you behind to protect the artifacts. And the hunter killed you. One of me, at least. I collected the remaining artifacts. And they opened the way to the center of my universe. And the doorway to an infinite number of others. Mm. That is the Unity. When I stepped into it, I became a Starborn. It's how I've entered other worlds, including yours. Intéressant. Alors, en gros, là, ils sont en train de nous expliquer plus ou moins le NG+, comment il fonctionne, je crois. Je sais pas si c'est vraiment du spoiler, dans un sens, d'en parler. Mais vous êtes au courant qu'il y a du NG+, en fait, dans le jeu. Après, par rapport à l'histoire, j'ai pas les détails et j'apprends en même temps que je joue. Mais je sais qu'on recommence. Donc du coup, je crois qu'ils essayent... Ils utilisent le NG+. Ils mêlent en fait le NG+, avec l'histoire du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, j'aime bien quand les jeux font ça, par contre. Je trouve ça intéressant. Alors, je dois voir cette unité de mes propres yeux. Vous essayez tous les deux d'empêcher les gens d'y accéder. Alors, cette unité est l'endroit d'où viennent les artefacts des temples. They are all connected. Ok. Je dois voir cette unité de mes propres yeux. And that's the problem. Ah. All the artifacts are needed to complete the armillary and open the way to the Unity. In every universe, the Starborn fight over them. Innocent people die.
You've witnessed the power granted by the temples. The anarchy that can be unleashed. Someone has to decide who should get them. Here it comes. The emissary tells you only the worthy should enter heaven. You're twisting what I mean. They're hypocrites. They use the chaos caused by the hunt for the artifacts to establish an order where they decide who's worthy. I attacked your lodge because I wanted the artifacts, and you held me off. You got away. That wasn't some morality play. You didn't survive because of righteousness. You won because of persistence, luck, and skill. As I have done countless times. I was also human once. But what does it matter who or what I was when eternity is within your grasp? C'est mieux quand t'avais le casque quand même, par contre. Vous avez été plusieurs fois à l'unité, qu'est-ce que ça veut dire? It means I've seen thousands of universes, collected their artifacts, been to their temples. You have a small taste of their power, but it keeps going. Donc nous, on a le potentiel pour être un Astrien, ou alors on est un Astrien aussi, un Starborn comme ils disent. Parce qu'on a les pouvoirs déjà, donc techniquement on en est un. You mean yet? Go through the Unity 1000 times and you'll gain a better perspective. I have hopes for you. Higher hopes than the other members of Constellation. They all end up like the Emissary. You've never come this far. Not in all the universes I've seen. Ah. The path to the Unity is opening to you. You're going to tip the scales one way or another. Better your hand be on one of our sides. Ah, donc ok, nous on arrive... C'est à notre tour de devenir un Astrien, quoi, en gros. Donc j'aide l'un de vous, nous combinons nos artefacts, entrant dans l'unité. Je n'aiderai jamais quelqu'un qui a tué mon camarade. Quelle que soit la guerre qui nous oppose, je ne veux pas en faire partie. Hein. Je dirais la 1. Que bon, oui, dans un sens, j'aiderais personne qui a tué un camarade, mais... Ah, c'était il y a pas mal d'heures, hein, honnêtement. J'ai plus vraiment la douleur. Elle est partie. Le temps soigne tout. Enfin, voilà, quoi. Alors, on va dire que combinons... Donc, j'aide l'un de vous. Nous combinons nos artefacts et entrons dans l'unité. Bingo. I want a truce. Between all three of us, I will give you some time to think over which approach to the Unity is the one you want. Mine. Or the Hunters. Yes. Let's see how willing you are to live under someone else's rules. Just remember, one of us isn't trying to judge you. Ok. On va leur parler. Après, ce qu'on peut comprendre dans un sens, c'est... Vu qu'ils n'ont pas vraiment de... J'imagine de comment dire... De maison, à proprement parler. Donc, il y en a un qui essaye de faire... Genre, lui, il essaye de faire... de créer, en fait, une hiérarchie et tout ça. Et lui dit les plus forts gagnent. Point barre. En gros. Enfin, les deux sont intéressants. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on franchit l'unité? Offer you the chance to become Starborn.
You will be leaving this universe behind to be reborn. Everything you were before will be gone. Maybe that's why it offers the choice. Compassion? Or is it testing us? Qui étais-je dans votre univers? Comment étais-je? Different. I never know who you are when I meet a new version. But so much of you stays the same. It's hard, but each universe is precious in its own way. Mine will never have its original you in it again. As yours won't have its real me. Donc vous essayez de protéger les artefacts, d'éviter qu'on les utilise à mauvais escient? You've seen the terror the Hunter causes. Every time a Starborn goes through the Unity, they get more artifacts, find more temples, gain more power. We can't let more like him abuse these gifts to destroy whatever's in their way. Qu'est-ce que l'art Miller exactement? When all the artifacts are assembled, the device they create is called the Armillary. In many ways, it's a model of the multiverse itself. Through it, you can reach the Unity. And from there, you can become Starborn. Okay. The Emissary and their kind only want to control you. The Unity is meant for whomever can get there. Don't fall for that talk of worthiness. Honnêtement, je suis un peu d'accord avec le chasseur, parce qu'avec l'autre, on tombe en fait dans une doctrine où ce sont des gens qui vont se mettre à la tête de d'autres personnes et qui vont choisir qui est bon ou pas pour passer, par exemple, pour devenir Starborn, Astrien. Mais ce genre de choses, ça part toujours en problème de toute façon. Toujours des complots ou alors des gens qui vont aider d'autres qui méritent pas, etc., etc. Lui, à la limite, c'est plus franco. À la fin, il va peut-être rester plus personne. Puis basta, quoi. Voilà, c'est comme ça que la fin des univers, en fait, va s'arrêter. C'est que tout le monde se mettra sur la gueule et au bout d'un moment, il restera plus qu'une personne. Et c'est, voilà. Donc c'est, ouais, c'est un peu plus clair. Qu'est-ce que l'unité pour vous? Pourquoi tuez-vous pour elle? Whoever created the artifacts and built those temples is playing a game with us. One whose prize is access to the center of all creation. There are no rules. Whoever gets all the pieces wins. And I've won. Over and over. Ah. I don't kill for the Unity. I find the easiest pathway to it. Ah, donc on sait même pas qui a créé en fait les artefacts et tout ça, d'accord. Ah, peut-être que ça va arriver dans les DLC et tout ça. Ah, ça c'est intéressant, là ça devient intéressant par rapport à l'histoire. Pourquoi nous avoir attaqué? I've simply found that it's the quickest way. Talking, forming alliances, waiting for the right moment to commit theft. It's all so tiresome. Je suis assez d'accord. I'll admit, you getting away has been the most interesting thing to happen in quite some time. As soon as I realized what had happened, I knew I needed to wait until this meeting with the Emissary to decide what to do about you. Okay. Après votre attaque sur Alov m'avait laissé partir, pourquoi? To see what would happen, of course. You might not understand just how many times I've done this. Usually, you're the one who ends up dead, and whoever cries over your body goes on to become the Emissary. Sometimes I manage to get you all bunched up and take care of the problem in one go. Sometimes the Emissary has gotten to me first, and I never arrive. Hundreds and hundreds of variations of me, packing through Constellation. And it's almost never you. You making it to your ship on your own. It's new. I took it as a sign. I don't get many of those anymore.
Oui, enfin, vu la puissance que t'as dû accumuler, ça doit pas être très très difficile de tuer les gens pour lui, du coup. Donc c'est sûr qu'il doit pas avoir trop de gens qui semblent bons, quoi. Alors, l'émissaire était hypocrite, pourquoi? They enter the Unity, take artifacts from others, employ force. All the things I do. I am many things, but I would never tell anyone what to do with their gifts. That is your decision, not someone else's. The emissary wants to become the judge of who gets to enter, but the Unity itself doesn't judge. Vous avez organisé cette rencontre à cause de moi? No, we always end up having this meeting at this time. But it's the usual affair. Can we make peace? No. Oh, how tragic. Honestly, I was beginning to wonder why I kept tending. That it's a bad habit I started a long time ago. Perhaps I just like meeting the emissary to gloat. But you have provided something quite new to talk about. Maybe you're a random die roll. Or maybe the Unity is finally responding to all my hard work. Ok. Je peux prendre votre vaisseau? T'es sérieux? Attends, je vais sauvegarder parce que j'ai peur que ça fasse de la... j'ai peur que ça fasse un bordel. Oh, j'ai pas l'autorisation. Bon bah merci, je vais voir vos caisses parce que je sais exactement où elles sont. Bon, au revoir. Before you leave, I want to give you something. A way to another artifact, but also a lesson in how dangerous they can be. Seek the moon of old Earth. There are secrets there. You must discover for yourself, here, to open the way. Vous autres Astriens aimez vraiment cette idée de voir par vous-même. I do not always know if you are a person I should be helping. Forgive me. I have also found that advice is a poor substitute for experience. I ask you again. Go to Earth's moon. You should also talk to your colleagues in Constellation. I am sure they have gathered more information on the remaining artifacts in the fringes of space. Part of me wonders what they will all say about what you have learned. But I will leave that to you. C'est quoi tout ça? Passe de la base lunaire. Mission avec rendez-vous au centre d'études Nova Galactique. Quoi tout ça? Dernier aperçu, retourner à la loge. Exhumation, rendez-vous au centre du Nova Galactique. Ça marche. Ouais, on va retourner à la loge. Ah mais ça peut s'ouvrir cette merde là. Je vais être honnête, ça commence à m'intéresser en fait de vouloir faire du NG+. Mais il faut que je trouve un moyen... Ah, on parle de NG+, donc c'est pas vraiment du spoiler maintenant, on est d'accord. Parce que, en fait, en gros, voilà, le NG+, il est lié à l'histoire, du coup. Mais le problème, c'est que j'ai fait une vidéo dessus, j'en ai un peu parlé. En fait, vous perdez quasiment tout. Je crois même les armes et tout ça exactement. Faut que je vérifie en fait. Je me suis fait une liste et tout ça. Mais on garde le... Ce qu'on garde en fait, c'est le niveau, les recherches et tout ça. Ça, on le garde. Donc ouais, donc tout perdre, les avant-postes, les vaisseaux qu'on a fait, tout ça, ça m'embête en fait. Et s'il n'y avait pas ça... Honnêtement, ça me dérangerait pas de rejouer, de faire l'histoire, de repartir et tout ça. Parce que je sais qu'on débloque des choses. On débloque des choses à chaque fois qu'on fait du NG+, et l'histoire change un peu. Ça, je le sais.
Donc c'est intéressant. Ouais, ça garde les trucs frais, quoi. Mais le problème, c'est de tout perdre. Donc s'il y a un moyen de tout garder, moi je dis pas non. Switching over to standard engines. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Donc ouais. Mais ça va, ça devient intéressant, c'est marrant. Ça devient assez intéressant. The city wouldn't be the same without us. OK. Je sens que dans cet épisode, on va pas parler. On va pas combattre, on va faire que parler. Mais bon, c'est épisode d'histoire, donc. Bon, les gens, on est attaqués par des aliens. Bonjour. Je suis de retour. Ok, t'es trop loin. Oh mon dieu. Mateo told us about your pilgrim's voyage. You found it, didn't you? The meaning of unity. Alors, c'est le centre de l'univers, nous battons sur la voie qui y mène. Ouais. Wait. Say that again. Multiple universes. Pas univers, multiverse, pardon. You can't possibly mean what I think you mean. Yes, I wouldn't mind a little more detail. Alors, j'ai rencontré une version de ça, il m'a dit que l'unité crée les Astriens et qu'ils peuvent passer d'un univers à l'autre. Dans un autre univers, je trouvais la mort et ça m'était en vie. Il est maintenant l'émissaire d'un Astrien. Croyez-moi, il y a de nombreux univers. L'unité est notre porte d'entrée. Elle fait de vous des Astriens. Ouais. I don't even want to think about the physiological changes you'd need to travel between universes. Plus what it would do to the mind. Enlightenment or oblivion, like the hunter. You have the opportunity to reach the closest thing to your god that might exist, and you're second guessing it. One doesn't approach the afterlife without some trepidation. C'est notre mission de partir dans l'inconnu. You're right. We have to see the unity for ourselves. Not to make a sharp turn in a grand tale. I got the eye fixed up. Bruised, but still blinking. Let me know when you're ready to follow up on what it's seen. Ça marche. These last glimpses from the eye are from the farthest fringes of known space. Could be the only remaining pieces outside the hands of the Starborn. Merci, je vais regarder ça. Get your smile out there. Ok. Donc on a une nouvelle zone. Ah, attendez, on va faire comme ça plus vite. Donc fais voir déjà les missions. Donc il y a Freya 3 et Inda 4D au centre d'études de Nova Galactique. Pourquoi les centres d'études? L'émissaire m'a donné à la clé d'une base sur la Lune, le satellite de la Terre, garantissant que j'y trouverai des informations sur les artefacts. On peut aller voir ça. On peut retourner à Sol. En plus, j'ai une base là-bas. Centre d'études Nova Galactique. Ah oui, il y a ça aussi. Vous voyez, on l'a quasiment jamais. Hein, le carburant, là, le plus 25. Ça, c'est parce qu'on a des bases qui nous donnent de l'hélium 3. Donc, on peut sauter plus loin. C'est assez intéressant, ce système-là. Mais je vais être honnête, c'est pas très très compliqué de sauter très loin en fait. Donc bon. À la limite, si vous n'avez pas les habilités, les compétences pour avoir
des réserves de d'hélium 3 sur le vaisseau peut-être. Je dirais, mais bon. Parce qu'au final, on saute jamais très 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 loin. Centre d'études de Nova Galactique. Personne. Clé d'équipement restreint. Je sais qu'on doit regarder l'ordi, mais d'abord je fais un tour. Après, je vais être franc, ça m'étonnerait qu'on trouve des trucs très très intéressants. Really is something else. A supercomputer so powerful, they put it on the damn moon to keep it cool. Although by that logic, they should be running it purely in the vacuum of space. But hey, good marketing material. I've been spending some off hours running some dumb simulations, just because I can. My favorite so far is simulating the sound of every duck on Earth quacking after receiving a piece of bread. You didn't know you wanted a real-time sim of feeding all the ducks, but now you have it. You're welcome, humanity. Okay. Nova Galactic Project Log, Principal Engineer Lang Shu. Voltaire is being reconfigured for this new initiative. The math we're being asked to crunch is ambitious, even for a supercomputer. We might as well be asking it to count every grain of sand in every desert on Earth. Who came up with these original equations? Our partner isn't being very open about it. Every question I have goes through some discretionary channel. I'm surprised we even know we're working on a ship. Donc ils sont en train de travailler sur un vaisseau. You ever get jealous? You know, the crew in the shipyard, building the actual vessels that are gonna travel the stars? We're literally on a base on the moon. Oh, come on, Sabina, I'm trying to share my dreams here. Well, your dreams are always out there, and never here where the rest of us live. Can't you just be happy doing your job? Where's the fun in that? Okay. When I accepted the assignment up here, we were told to bring a couple of personal items. Some psychological study said it helped when you're away from Earth this long. I brought my grandmother's old abacus. I would play with it on her lap, and she'd teach me the Russian for all the numbers. She, just got word that she passed. The next shuttle isn't for 3 months, so I won't be able to go to the funeral. Goodbye, Babushka. Thank you for teaching me math. It brought me to the moon. Ouais, bah les funérailles, enterrements, tout ça, hein, c'est pas le fun. Honnêtement, c'est pas le truc... que vous avez vraiment envie d'aller. Hein. Alors, suivant. Nova Galactic Project Log, Principal Engineer Lang Shu. I admit, this is not the most disciplined team I've ever run. Malcolm keeps stealing computational time on Voltaire and thinks I don't know this. And Sabina's been distracted lately, but won't tell anyone why. I really should demand answers from both of them. But honestly, I'm too preoccupied with this contract. We all are. Despite anything going on in our personal lives, there's something special about what we're building here. Okay.
Okay, confession time. Being single on a moon base is the worst. I only get like an hour to use the communication link to Earth every couple of days. And let me tell you, there's long distance dating, and then there's like long distance dating, you know? Oh, hey there, I'm a scientist, deadly employed, willing to take you out for coffee in like 6 months when I'm back from space. It's not a great opening line. You seriously can't get a date? You're an astronaut. Hey, no one asked you. Eh ouais. Aïe, 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 aïe. Voltaire, je tiens à rappeler à l'équipe de recherche que Voltaire est un super ordinateur faisant l'objet d'un contrat d'exclusivité draconien et dont seul le projet Prism a le droit à l'usage actuellement. Il ne doit sous aucun prétexte être utilisé pour le cadre de vos projets personnels. Je sais que c'est hilarant de voir combien de décimales de pi il peut calculer. Ouais, enfin, je trouve pas ça drôle. Combien de gigas de données chiffrées il peut craquer, ou si c'est possible de recréer une simulation parfaite de tennis de table. Mais tout ça peut attendre. Pour le moment, j'ai besoin que tout le monde se concentre pour finir le projet dans les temps impartis. Nous travaillons sur de nouvelles technologies aérospatiales de pointe avec notre partenaire et client. Cela devrait largement suffire à vous occuper. Lancement du projet Prism. Nous sommes heureux d'annoncer que le premier test de lancement du projet Prism aura lieu aujourd'hui. Je vous invite tous à mettre vos plus beaux habits et à nous rejoindre sur le toit à 9h EDT. Pensez bien à tout synchroniser vos montres sur le fuseau d'heure de l'Est. Notre partenaire sera présent en radio pour le lancement. L'événement sera filmé. Aussi, nous vous demandons de garder une conduite correcte. Ok. On va voir ce que c'est. Par où on passe? Faut que je sorte. Faut que je sorte et que je monte sur le toit, c'est ça? Donc en gros, les Astriens qu'on combat, c'est des gens un peu comme nous, ou voire potentiellement des versions de nous même, qui ont des bah, qui ont des pouvoirs, hein, on en a vu, ils ont des pouvoirs quand on les combat et tout ça. Et du coup, ils ont récupéré en fait les artefacts et tout, et ils sont devenus des Astriens, ils sont allés dans des temples et tout, donc en fait, on fait tous plus ou moins la même chose. Genre c'est Highlander quoi, on essaye d'être le dernier. Engine spin up time almost complete. Total time 5 minutes 22 seconds. Right on schedule. How are the helium 3 valves holding, Nova? We double checked the leakage concerns this morning before the launch. All signs green. Any changes to the calculation sequence from Voltaire? No changes since we uploaded the last figures yesterday. It's a clean shot from here to Jupiter. One day the computer will be on board the spaceship. Just imagine that. One miracle of science at a time, Canaveral. Counting down in 5, 4, 3, 2, 1. Canaveral, are you reading? All clear, Nova. Indicators look good. The ship should be cruising Jupiter's orbit right now. Visual confirmation will be possible in 32 minutes. Minutes. Afraid the speed of light is on the slow side these days. How does it feel to break the laws of physics, Canaveral? We're all pretty excited down here in NASA, I won't lie. Excited enough to tell me where you got the original data? Not in a million years, Nova. Ah, il l'aurait pas eu d'un Astrien? Donc là, c'est quoi en fait le projet? C'est les astro... Comment ça s'appelle? Astromoteurs, là? Je crois que c'est ça. Si j'ai bien compris ou j'ai pas compris. Ah,
Ah, j'ai pas envie de repartir dans l'espace et tout ça. Désolé, on va aller plus vite. Alors, fais voir. Vestige de l'ombre. Tour de lancement de la NASA. Désolé, j'ai pas envie de repartir en orbite et tout machin. J'ai envie d'avancer en fait, parce que l'histoire en fait m'intéresse, donc j'ai pas envie de faire des pauses. Donc on y va direct. Ouh, c'est joli! C'est classe! Tour de lancement de la NASA. Tu veux que je fasse quoi exactement? Oui, un moyen d'entrer. C'est sympathique. NASA. Putain, je fais vache. Regarde un peu ce qui traîne, hein, puis après. Oh, la forme, on dirait un crabe de qui se met sur les têtes là de comme ça là. On dirait un crabe mort de Half-Life. Mais d'accord. Oh, ça je veux bien, foreuse. Fusée miniature. Ou la neige de la NASA. Ouais, ouais, ouais. Ah, en plus, t'as raison. On est plein déjà. Que je suis... Non, ça m'étonnerait que je puisse. Ouais, non, on peut pas. Trop loin de... du vaisseau. Dans le vaisseau. Énergie requise. J'ai une batterie. Là. C'est utile ces batteries. Hein.
Tu viens? Merde. Bon, j'ai rien dit. J'ai cru que ça allait monter et tout ça. Donc moi je dirais que c'est un Astrien peut-être qui ont donné le moyen en fait de créer les moteurs et tout ça là. Alors, c'est joli ça, NASA. Procédure de lancement. Il y a des rumeurs selon lesquelles le prochain lancement va être annulé, mais ne sont pas influencés par votre comportement. Partez du principe que ce n'est jamais un entraînement. C'est votre professionnalisme qui rend le voyage spatial un peu plus sûr pour tous. L'accès au journal de la station. Station log. Dr. Judith Tatienne. The recent delivery from Mars is unsettling. I was expecting rock samples or maybe fossils of microbial life. Instead, Dr. Victor Isa comes with two members of the military. Everything they've brought back is under wraps. What could a theoretical physicist need with a sample from Mars? Station log. Dr. Judith Tatien. I've been trying to cozy up to Dr. Isa, Victor, to see what is going on. His team has completely commandeered one of the labs with those two military handrests, checking who comes in and out. I joked that maybe he found a little gray man and was doing an autopsy, and he grew very pale. 2 days later, he sends me a request asking for more information on my background in material science, metallurgical engineering. Oh, we have a meeting tomorrow. I think I'm being invited into the lab. Si elle est pas française, elle. Hein? Station log. Dr. Judith Tatien. I have never been so nervous since I defended my dissertation. 4 hours talking to Victor and his team about theoretical metals, atomic bonding, even a half hour divergence into magnetism that I'm pretty sure was just to throw me off the trail of what we were actually talking about. Then I got to see the lab. I don't know how much I should say, but the periodic table just got thrown out the window. Simplement que le tableau périodique des éléments vient de passer par la fenêtre. Ok. C'est pour dire que... Ouais, non, mais il y a un truc... Il y a un truc bizarre, en fait. Donc, je dirais pas non... Pour le coup du désastrien. Ok, par en bas. Ouais, c'est cool. Je pensais pas qu'on allait... On allait voir toute une base, en fait, de la NASA. Ah, on va prendre une photo. C'est sympa, ça. Pas mal. La NASA. ans, scientifiques prédisent pour la première fois la destruction de notre Terre bien-aimée. Des phénomènes astro
atmosphérique, allait entraîner l'expulsion de l'air respirable hors de la gravité terrestre, condamnant ainsi tous les vivants. Les 50 années estimées avant la période funeste donne à la NASA et aux autres agences spatiales du monde entier l'opportunité de sauver l'humanité en l'envoyant dans les étoiles. L'humanité va survivre, notamment grâce au développement de l'astromoteur. Voilà, l'astromoteur, ça. Donc, comment on a développé l'astromoteur, c'est la question. Je sais. Problème de Mars. Chercher les rovers de l'opportunité sur Mars. Ah, on peut. Le programme Mars Exploration Rover lancé en 2003 permet l'exploration de l'étude de Mars distant. Deux rovers jumeaux nommés Spirit et Opportunity sont fabriqués. Spirit cesse toute communication en 2010, tandis que le rover Opportunity poursuit ses opérations jusqu'en 2018, dépassant sa durée de vie initiale de plus de 14 ans. Bon, du coup, on va toucher à tout parce que... 2150, un scientifique prédisent. Pour la première fois, on l'a déjà lu. Attends, là, il y a un truc. Rover lunaire. De 1971 à 72, le rover lunaire utilisé pour la dernière mission Apollo et peut transporter deux astronautes. Les motifs de chevrons sur les roues sont en titane pour aider à maintenir la traction sur la surface de la Lune. Le rover électrique, fonctionne sur batterie dont la durée de vie ne dépassait pas la durée de la mission. Adapté d'un modèle originellement conçu pour des avions de haute altitude, la combinaison spatiale Mercury doit subir plusieurs modifications pour répondre aux impératifs de pression, d'oxygène et de température. Bien que la cabine de la fusée Mercury soit protégée contre les rigueurs du voyage spatial, la redondance a toujours été cruciale en cas de dépressurisation de la cabine et d'exposition des astronautes au vide de l'espace. Leur combinaison Mercury leur offre une couche supplémentaire de sécurité. Intéressant. Ils sont jolis. En 1958 à 63, l'un des premiers programmes spatiaux de l'humanité, le vaisseau Mercury, conçu pour ne transporter qu'une personne, envoyé pour tester les capacités humaines dans l'espace. 6 vols au total sont lancés, le premier étant un vol suborbital de 15 minutes et le dernier de plus de 34 heures pour 22 orbites complètes. Sympa, on en apprend plein. 1968 à 72, le projet Apollo est le premier programme à envoyer l'humain sur la Lune terrestre, le premier alunissage, c'est comme ça qu'on dit, du 20 juillet 1969 est en réalité le 11e vol Apollo, dont les précédentes occurrences ont permis de tester tous les modules, les orbites et autres données critiques afin d'assurer aux astronautes d'atteindre la Lune et d'en repartir en toute sécurité. Ah, c'est... Ah, on a la tenue Mercury. On va la prendre. On va essayer de la garder. Hein. La garder au chaud. Le projet Gemini, 65 à 66. Le projet Gemini était une mission d'apprentissage sous bien des aspects. Alors que l'objectif de la NASA était d'envoyer un humain sur la Lune, de nombreuses questions devait trouver une réponse avant même le début du projet Apollo. Gemini devait permettre de savoir si un humain pouvait survivre aussi longtemps dans l'espace, comment connecter les engins spatiaux et comment améliorer les combinaisons spatiales pour opérer hors de l'engin. Ouais, enfin c'était surtout, hein, marcher sur la Lune, c'était surtout pour montrer aux Russes, hein, que vous étiez plus forts. Hein, les Américains. Alors, durant la mission Apollo 11, le module lunaire Eagle est le premier engin spatial habité à se poser à la surface de la Lune. Le module de commande Columbia, duquel le module lunaire devait pouvoir se séparer pour ensuite s'y amarrer de nouveau,
en son homologue Columbia conduisait les astronautes vers et depuis l'orbite de la Lune, tandis que Eagle gérait les trajets depuis et vers la surface du satellite. Projet Prism, la NASA s'associe à Nova Galactic, les créateurs du superordinateur Voltaire, sur un ambitieux projet aérospatial visant à tirer la gravité. En résulte, la première navette spatiale capable de dépasser la vitesse de la lumière lors de son premier voyage, les astronautes atteignent Jupiter en un temps qui leur aurait demandé autrefois des années. Donc c'est bien Nova Galactic. Alors, NASA associé à Nova Galactic, créateur de Subordinateur. Oui, ok, c'est la même chose. La vie loin de la Terre. Si les missions longues dans l'espace ont commencé à la fin des années 90 avec des programmes comme la Station Spatiale Internationale, l'humanité a commencé à vivre sur d'autres planètes environ 100 ans plus tard. Les petits avant-postes accueillant au maximum 5 équipes de recherche ont conduit à un mouvement de colonisation entier de Mars et d'autres corps célestes de notre système solaire. On peut aller là ou pas? Ça c'est une réplique en fait. Il y a un mur quoi. Oui, c'est bien ce que je pensais. On va monter. Ah, en bas, il y a encore des trucs. Ah non, non, là, lui, pardon. Mais non, ça va. I just don't understand where these calculations came from. There's something wrong with the math. I think it's quite straightforward. That's not what I'm asking. We've had no success extracting even a sample of material from the object. No explanation for the gravitational effects, no motion graph to explain its harmonic frequencies. I can't even establish a melting point. Judith. But you've had me building these prototype colliders for months. And now you want me to pump helium-3 into it based on this equation you've written on a goddamn napkin? I just need you to trust me. I have been trusting you. We keep slamming our heads against a brick wall, getting nothing. And you keep coming up with something new to try, like... You know what's going to happen. Where are you getting your information, Victor? I'm sorry, Judith. I... Look, not here, okay? Somewhere off base. I'll tell you everything. But I'm not lying, okay? We're going to discover something important here. I promise. Mm-hmm. Ou alors c'est peut-être autre chose, c'est pas les astromoteurs, c'est peut-être encore autre chose. Alors peut-être qu'ils étaient au courant. Ah, peut-être qu'avec les premières expériences en fait de l'astromoteur et tout ça, ça leur a permis de trouver du coup le centre de l'univers là avec les artefacts et tout. Et dans un sens, tout le monde travaillait pour développer les astromoteurs et ça a aidé le mec qui s'en occupait, là, Victor. Genre, Victor était le premier à devenir un astrien. Ah, l'histoire est sympa quand même. Par où on passe? Y'a quoi là? Non!
Ouais, j'ai envie de dire que j'aime bien l'histoire. Écoute. Celui-là, c'est là. Des ressources en fait qui traînent. Interrupteur. Ok, ça a allumé. Je parle pas trop parce que j'aime bien l'ambiance en fait, donc j'ai pas trop envie de parler par-dessus. C'est méga grand hein, le complexe. Je vois pas par où on passe pour aller là. Oh, je sais. Hé hé. Il y a une batterie. Tut tut tut. Ah, le bruit. Après, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, j'ai des grosses épaules. Sérieux là? Ah oui, quand même. Wow, 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 wow. Putain. Je pensais pas tomber sur un truc aussi haut niveau en fait. Je vais être honnête. Ah. L'épisode va être long. Bah, comment tu veux le mettre celui-là? Oui, comme ça. Ok, c'est pas pour lui. On va continuer d'utiliser cette arme pour montrer un peu comment c'est pété. Ok, c'est par là normalement. Est-ce que j'ai ouvert la porte pour rien? J'ai ouvert la porte pour rien. Oh mon dieu, non! Arrêtez de me mettre des trucs! Alors...
Ok, c'est pour les tourelles. J'aurais bien voulu encore écouter des enregistrements de la fille là. Si jamais ça devient trop un problème, le poids, on jettera des choses. Alors, procédure de sécurité. Vérifier tous les badges. Les serveurs écrits doivent être vérifiés à la sortie du labo. Ok. Alors ça. Project log. Dr. Victor Issa. We turned on the prototype today. The gravitational field around it began to fold as we long suspected. Complete reversal of gravitational pull was observed on dozens of loose objects around the lab. I'm setting up a meeting with the directors to propose a larger test. The prototype proves we don't need the original anymore. But further work is going to have to take place in space. Somewhere with abundant helium-3 and with a civilian partner. Someone with access to large-scale manufacturing resources and computational equipment. Engineering gravitational folds pulling the far side of the solar system closer to us? It's all going to be possible. Concevoir des pliures gravitationnelles attirer l'autre côté du système solaire pour le rapprocher de nous, ça va devenir... Oui, ça c'est l'astromoteur du coup, créer un trou de verre. Project Log, Dr. Judith Tatian. I watched the gravjet test from the moon today. It was the first time we were able to talk to the team at Nova Galactic directly. So many things were under wraps before, but now everyone wants all the publicity they can get. I'm already seeing proposals for manufacturing androids of drives, expeditions to Alpha Centauri and beyond. It's also overwhelming and worrying. It could take years, decades, before we know what all these side effects of operating a grav drive can be. But no one wants to hear that right now. Like a bunch of pioneers racing towards the edges of the frontier without knowing about the grizzly bears in the mountains. Bah après, dans un sens, j'ai envie de dire, t'as pas vraiment le temps d'attendre. Si la planète Terre est en train de mourir, t'as vite envie de partir, quoi. Donc je peux comprendre. Mais ouais, c'est en rapport avec ça. Du coup, comment ils ont eu le... Enfin, on verra. Ça fait un petit moment que j'essaye de trouver des explications, mais... Ok, c'est d'où on vient. Yong. Ah. Aïe, 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 aïe. Un seul. Un, deux, trois. C'est reparti, encore un... Celui-là, il va être embêtant, celui-là.
Alors c'est bon. Wow, wow, wow. What? Oh, c'est un truc anti-gravité. Ok. J'imagine que ça s'est pas vraiment passé comme... comme prévu. Oh, il y a trop de... Après, comme j'ai dit, hein, c'est pas comme si c'était difficile, hein, mais c'est pas fun. Quand il y en a trop, c'est juste pas fun. Clé... Putain, clé de maintenance de la base de la NASA. C'est marrant. Hop là. Ah, c'est marrant. Ok, on va aller à l'ordinateur. Peut-être qu'on va en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé. Et maintenance. Déverrouillage clé nécessaire, ok. Prototype de réacteur. Attention, mettant le prototype sous tension, fixer ou attacher tous les objets qui traînent et demander aux chercheurs de vider leurs poches et d'enlever tous leurs bijoux, montres, etc. N'oubliez pas que le cœur du réacteur contient un spécimen irremplaçable et que toutes les données associées à ce projet sont strictement confidentielles. Faites preuve d'une vigilance de tous les instants avec les matériaux de recherche et assurez-vous de ne pas que pas le moindre élément d'information ne sorte. C'est quoi le spécimen irremplaçable? I never actually got to visit your labs back when we were working on the Grav Drive projects. Seems like ancient history now. Only thing we're doing these days is launching weather satellites. Guess this is as good a retirement as any. Now Project Demeter, you want our help manufacturing scanners to better track these new meteorological patterns we're seeing. Our guess is that the poles might be naturally shifting, causing some gravitational fluctuations that are throwing off our old models. Why do you need the scanning tolerances to be so small? What are you trying to find? I just want to be sure. It's not like we're doing much these days anyway. The glory days are over. Why not give ourselves a challenge before they write us off in the history books? Ouais, donc il y a Victor qui cherche quelque chose et qui cache l'information en fait. Comme demandé, équipe de recherche. Oh mon dieu, c'est une analyse complète des données. Plus notre magnétosphère faiblit, plus sa capacité de nous protéger des vents solaires se réduit. Au-delà même des effets dévastateurs des radiations, cela risque d'entraîner une conséquence encore plus terrible, la pulvérisation ou la dissolution de notre atmosphère. C'est déjà arrivé auparavant à Mars, une planète étudiée depuis les prémices de la conquête spatiale pour tenter de prédire le futur de la Terre. Nous avons peur que le futur soit d'or et déjà bien plus proche que nous pensions. Possible. I know what I'm seeing, Victor. The data coming back from these satellites is very clear. It's the grav drives. All those jumps from the moon. At this rate,
Earth's atmosphere is going to start sputtering out into space. Can the drives be fixed? I'm working on some designs that should discreetly solve the problem, under the guise of an emergency update to the fueling pumps. We're talking about the end of Earth, and you're trying to be subtle about it. Judith, the last thing we need is people losing faith in grav drive technology. That might be our only option. To what? Are you seriously saying we should abandon Earth? The timeline is under 50 years. A blink of an eye for a planet. But more than enough time for a human exodus. And what do we tell people? We say it's an act of God. One that science has found a solution for. Time for humanity to take its place in the stars. You know, didn't you? You lied to me. All this time. I dedicated my life to this discovery, Victor. And you knew we were going to kill off our planet? You haven't seen the future I've seen. There's an infinite expanse of promise out there. A meteor could have hit Earth. A plague, another world war. Colonizing other galaxies secures humanity's future for all coming generations, across all time. At the expense of our home. Stop it, both of you. All that matters is building enough ships to get everyone off this planet. And we need to start now. I'll draft up a statement. We'll need to address the entire international community. I'm sorry, Judith. There isn't a planet in this universe that will be far enough away from you, Victor. We are never speaking again after this is over. Ok, donc apparemment les astromoteurs là c'est la raison pourquoi la Terre a mouru du coup. En gros ils ont accéléré la fin de la planète ou alors ils l'ont engendré dans un sens. Mais moins de 50 ans quoi, c'est ouf. Ah c'est pour ça que ça parlait du fait que le genre l'atmosphère fuit en fait la planète. C'est peut-être à cause des astromoteurs, du coup. Ils ont fait des sauts de la Terre à la Lune plusieurs fois. C'est cool. My name is Dr. Victor Issa. And if you're listening to this, then you probably already know the truth. I was young when I first headed the retrieval team of an odd gravitational anomaly on Mars. But I kept what really happened that day hidden from everyone except one other person. Even she didn't believe me at first. But I have no reason to lie to anyone now, so I hope you'll accept this confession, whoever you are. When I touched the anomaly, I experienced 12 days of lost time. I met myself. He told me everything that has since come true. The grav drive equations, the tests on the moon, Earth's atmosphere sputtering away because of what we had done. But he also told me about a city thriving on a planet orbiting a distant star. Human culture, art, music, lifestyles evolving and shining brightly across all of space. What price would I be willing to pay for that future? Maybe you don't believe me. Maybe Judith was right and I'm just a coward who wants to believe his mistakes were justified. But everyone has forgotten about the real origins of the grav drive, this artifact from Mars. I hope you make better use of it than I did. Bah, c'est ce que je disais du coup. Ça va. J'ai bien vu l'histoire arriver, donc ouais, c'est bien les l'astromoteur qui a fait sûrement des trous dans l'atmosphère et tout ça, faire des sauts. Et c'est sûrement du coup son double, c'est sûrement un Astrien qui venait encore d'une autre dimension du coup. Et qui lui a expliqué comment faire les choses. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il mêle les différents univers, en fait les différents univers, les doubles et tout ça dans le jeu. J'aime bien moi quand ils font ça.
C'est un peu compliqué à faire la plupart du temps, parce qu'ici il y a des doubles et tout ça, mais là c'est assez simplifié, donc c'est sympa. Par rapport à l'histoire. Genre il y a plusieurs mondes, les mondes parallèles. Peut-être qu'on va rencontrer Queen Mallory. Où est-ce qu'on va là? Ah, le code. Ça va? Je crois qu'elle est tombée. Je crois qu'elle est tombée. Ça va, t'es tombée, c'est ça? Donc, il a découvert un artefact sur Mars. Et c'est grâce à ça qu'il a pu faire les astromoteurs, j'imagine. Artefact spécifique. Ok, ça marche. Non, c'est bon, on va rester comme ça. Allez. Il est bien, hein. Il est bien ce truc, hein. Ah, il a un bouclier, ok. C'est quand même abusé ce machin, il tire super vite, il fait super mal. Nécessaire. Ça marche. On va sortir un peu ça. J'aime bien le fait qu'on fait maintenant. Enfin, on n'est fait pas techniquement équipe, mais on est plus ou moins pour le moment en trêve et on est dans le même camp que les autres. Là, que le chasseur. Le chasseur, je le trouve sympa. J'aime bien sa voix en fait. J'aime beaucoup sa voix. Puis il a l'air d'être... comment dire... c'est plus ou moins honnête, quoi. Il sait qu'il est très bon en combat, et il sait ce qu'il a fait, il sait ce qu'il doit faire, et il sait ce qu'il veut faire. Et puis voilà, quoi. C'est... point barre. Il n'y a pas d'entourloupe, quoi, avec lui. Je vais voir si j'ai pas un truc pour mon endurance. C'est marrant, on a pris l'artefact mais on n'a pas eu de vision, rien cette fois. Toc toc. Ah. Thank you.
Ah oui, j'ai une nouvelle arme que je vous ai pas montrée. Je sais pas si j'en ai parlé. J'ai ça. Je sais plus si j'en ai parlé. Le Magpul, c'est un violet par contre. Mais il est très puissant. C'est un fusil quoi, c'est juste un fusil. Il a très bon dégâts. Je vais être honnête, je sais pas comment il tire. Je comprends pas vraiment son tir. Genre il tire deux balles, deux projectiles. Ou plusieurs, j'en sais rien du tout en fait. C'est censé être un fusil, mais ça tire comme si c'était un peu de la chevrotine, mais il y en a très peu dedans. Je sais pas, c'est très bizarre. Mais j'aime bien. Ah, là-bas, on a des trucs. Do you really need all of those supplies? Oui, tout. On a besoin de tout. Truc là-haut. Les Astriens qui veulent les artefacts durement gagnés. J'utilise pas vraiment ces munitions, le 6-5, donc du coup... Du coup voilà. Sauvegarder. Il y a deux vaisseaux astriens, un sur la droite aussi. Il y en a plein sur... On est encerclés, c'est ça? Ça va, on les a tous tués. Il y en a un qui est gris, il y en a un qui est noir. Do you understand now why I asked you to come here? The artifacts unlocked the secret of interstellar travel. At the cost of Earth. An easy trade, honestly. Why have one world? When you can have all the settled systems. Dans un sens, il a raison. Parce que la Terre, si on veut prendre des vraies choses de la vie, la Terre surpeuplée, machin, ressources et tout ça, enfin même si théoriquement, on en a encore pour des années, hein, niveau ressources, mais ouais, dans un sens, c'est vrai que c'est mieux de pouvoir avoir le choix de différentes planètes, j'imagine, pour l'humanité. Que de rester sur une seule terre, vu qu'on la respecte pas vraiment, hein, vu qu'on la détruit petit à petit. Donc dans un sens, il a pas tort, le chasseur, je dirais. Mais après, par rapport à l'histoire, c'est ce que je me dis, c'est du coup, c'est qui a créé les artefacts et pourquoi vraiment. Puis en plus, comment... Genre, quel est l'univers qui a trouvé... Comment utiliser... Enfin non, c'est peut-être tous les univers en fait. Il y avait peut-être des artefacts en fait dans chaque univers. Et certains, j'imagine pas tous, mais certains univers en fait ont trouvé donc ces artefacts et ont fait l'astromoteur et tout ça et ont trouvé un moyen de passer d'un système à l'autre. Et certains l'ont pas fait. Mais là par exemple, l'autre, il a eu son double, Victor, le scientifique, il a eu son double qui l'a aidé du coup. Trouver. Donc il y a des univers qui doivent le trouver par eux-mêmes pour l'astromoteur, il y a des univers qui doivent pas vraiment le trouver par eux-mêmes, qui finissent par se faire aider, ou alors tout simplement qui meurent, et qui restent sur la Terre et qui meurent peut-être.
Ben voilà quoi. Le destin de l'humanité était dans les étoiles de toute façon. Je ne comprends toujours pas ce que j'ai trouvé. Pouvez-vous m'expliquer? Ouais, on va jouer bête, comme ça il nous explique. Every grav drive in the settled systems was built on technology that came from an artifact that was discovered on Mars. But ouais, these early drives shook the gravity field surrounding Earth. Eventually, the atmosphere started to slowly sputter away into space. That is why Earth is uninhabitable. Mm. The artifact gave the scientists a greater understanding of time and space, but not the wisdom to see where that would lead. The settled systems wouldn't exist without the artifacts, in other words. We owe what happened here in NASA a great debt. C'est marrant de dire ça. Ah ouais, je suis d'accord, ouais. On va dire qu'on s'en fout de la Terre. Don't you see? The power of the artifact forced humanity to the stars. They didn't get to make a choice. How many would have chosen Earth? What gave Victor Isa the right to choose for them? You see the hypocrisy in what the emissary is saying, right? They don't want to rob people of their free will, but then they steal the artifacts for themselves. In the wrong hands, the power of the artifacts can make anyone a tyrant. That is why we watch over them. The only thing you're watching out for is yourself. Ah, les deux ont raison, mais j'ai un peu tendance à vouloir croire le... Enfin, à me mettre du côté du chasseur. Dans le sens où c'était quoi l'alternative? Genre rester sur Terre? En gros, c'était ça. Rester sur Terre et continuer à... avoir plein de gens et puis ne pas savoir quoi faire et la vie sur Terre se détériore petit à petit sans avoir une opportunité en fait d'avoir autre chose. Parce que dans le futur, dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, techniquement ça va faire que empirer, on est d'accord. Si on veut parler logiquement, potentiellement ça va faire que empirer. Donc c'était quoi l'alternative? Genre laisser comme ça et stagner et jusqu'à ce qu'on s'autodétruit ou alors aller dans d'autres systèmes et détruire la Terre par la même occasion, c'est vrai. Mais au final, l'humanité survit et évolue, peut-être. Je sais pas. Et après, le fait de dire que ils veulent, l'émissaire, ils veulent genre les artefacts pour eux, en disant que oui, il faut pas que les gens peuvent devenir des tyrans et tout ça, et que ils auraient pas dû détruire la Terre, parce que théoriquement c'est ce qu'ils disent, ils auraient pas dû détruire la Terre, tout ça. Mais en fait, ils veulent quand même garder les artefacts pour eux. Mais comment ils les ont récupérés? C'est grâce aux astromoteurs, c'est grâce à la technologie des artefacts. C'est un peu un cercle en fait, c'est le serpent un peu qui se mord la queue. C'est vous voulez garder une puissance des objets en fait pour vous, pour éviter que les gens fassent du mal, mais à la base, pourquoi vous pouvez faire ça en fait, c'est grâce aux artefacts, c'est grâce à ce mal en fait qu'ils ont pu faire ça. Donc, vous voyez, c'est... Ouais, c'est un peu hypocrite dans un sens de voir ça comme ça, je dirais. Je comprends pourquoi en fait il dit le chasseur dit que ce sont des hypocrites. Pour trouver une analogie, c'est chaud quand même. Ouais, c'est genre trouver quelque chose qui va vous permettre de faire un bond en avant tout en perdant quelque chose, la Terre par exemple, et après dire que ce bond en avant on va le garder et on va le contrôler. Et dans un sens, ça vous donne aussi un pouvoir, parce que ce sont des Astriens et tout ça. Donc ils vont garder ce pouvoir et ils vont le faire en sorte que personne d'autre le récupère. Mais à la base, ce pouvoir-là qui a détruit du coup la Terre et qui vous avez fait perdre quelque chose, ben, vous l'avez par le biais d'avoir détruit la Terre, hein, parce que les astromoteurs, ils ont été développés grâce à ça. Donc c'est... Ouais, non, c'est un peu hypocrite, j'avoue. Chasseur a raison, la seule règle, c'est qui obtient tous les artefacts en premier. Bon, après, c'est un peu con aussi de faire un peu comme le chasseur, mais bon. Vous avez tort tous les deux, il est temps qu'une autre personne, qu'un Astrien, prenne une décision. Ah, c'est pas mal, ça. Don't be a fool. The
adversary and I may have our differences, but you do not want to give us a common enemy. For once, he is right. Don't do this. We can collect the final pieces together. Honnêtement, si jamais il y a vraiment un moyen de se mettre contre les deux et de les combattre, moi je dis pas non. Parce que c'était ou le chasseur, ou en gros c'était entre l'émissaire et le chasseur, j'aurais choisi le chasseur. Mais s'il y a vraiment ma solution à moi... Well, look at that. The emissary just became my new best friend. You've made your choice. When you're ready, the hunter and I will be at the buried temple. That's where we'll settle things. Meaning, we'll kill you. But hey, at least we'll wait. The final round doesn't start until there's only one artifact left to gather. And if I'm not mistaken, Constellation has one or two to go. 4500 d'expérience. Voilà. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est bien fait ça. J'aime bien là. La mise en scène est cool. Vous savez que moi aussi j'en ai un. De toute façon, mon Event Horizon, il est nettement mieux. Donc, on a eu beaucoup d'expérience d'un coup. Ah merde, je sais que je suis là. Bah, que dire? Ouais, on a fait notre propre choix. Je sais pas si c'est le meilleur, mais au moins on fera pas mal de combats. Je pense que ça va se régler comme ça. On va faire pas mal de combats. Bon, on va s'arrêter là. L'épisode était un peu long, par contre. Mais c'était une grosse partie de l'histoire. Ouais, on va s'arrêter là parce que je vais arrêter de tirer l'épisode terminé, le dernier aperçu. Ok. Et après, rendez-vous. Ouais, ok. Je pense honnêtement qu'on arrive à la fin du jeu. Au final, l'histoire est pas très très longue dans le sens où on peut plus ou moins se concentrer sur l'histoire du jeu. Et du coup, c'est vrai qu'avec les voyages rapides, etc., etc., du coup, on peut aller très très vite, j'avoue. C'est un peu ça la différence en fait avec les anciens jeux de Bethesda. Donc là, je crois qu'on est sûrement à la fin là. On est sûrement à la fin. Après, je déciderai si on passe en NG+ ou pas. Dans un sens, je me dis pourquoi pas. Ça me dérange pas vraiment de recommencer certaines choses. Je voudrais bien récupérer. Enfin, je voudrais bien garder. Je sais plus si on garde l'argent, les armes, ça serait bien. Ouais, ça me dérange pas trop. En fait, de repasser, de recommencer dans un sens. Ça me dérange pas des masses. Ça me dérange moins maintenant, en fait, vu que j'ai appris un peu mieux comment l'histoire se passe. Ça me dérange moins maintenant. Mais ouais. Il y a un truc, c'est depuis la dernière mise à jour, quand j'utilise un pouvoir, je sais pas trop quoi, ou quand je marche, il y a des petites étoiles là qui sortent de mes pieds. Mais ouais. Donc ouais. Bon, on défoncera le chasseur et on défoncera l'autre aussi, l'émissaire. Voilà, on va s'arrêter là. C'était cool, c'était super cool. On a appris pas mal de choses, je suis content. C'était un peu long l'épisode, je sais pas si je le couperai en deux ou pas, je vais voir. Mais ouais, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Et on se retrouvera la prochaine fois. La prochaine fois, je vais voir si on... Peut-être qu'on se mettra genre juste à la fin du jeu et on attendra un peu. Parce que j'ai encore Ryujin à finir, parce que j'ai pas pu streamer Ryujin la dernière fois. Peut-être qu'on fera autre chose, je sais pas. Ouais, on verra ça. On verra ça.
Et moi, il faut que je fasse ça. Gestion des avant-postes. Il faut que je les... Que je détruise les liaisons et je les remette par contre. Parce que du coup, il faut que je passe au niveau supérieur et tout. Ben ouais, on verra ça après. Merci beaucoup, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.